Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais t'expliquer comment je fais pour bosser ma voix. On m'a demandé, mais Antoine, est-ce que tu travailles ta voix? Ah bah oui, en fait, enfin, je suis obligé quoi. Hein. Je suis un humain, je suis pas un robot. Et ma voix, si je la travaille pas, elle s'en va. En tout cas, je perds en performance. Et puis surtout, j'y gagne au niveau de la fatigue à la travailler. Vu que j'utilise ma voix tous les jours pour te faire des vidéos. J'utilise ma voix dans mes coachings, donc j'ai besoin de travailler ma voix. Et comment je fais? Alors, idéalement, quand j'ai un piano, je peux le faire avec un piano. Si j'ai pas de piano, que j'ai mes pailles, je peux le faire avec des pailles. Mais je le fais aussi par habitude dans la voiture. Donc, tout en gardant bien l'attention sur la route, bien sûr, je le précise. Je le fais dans la voiture. Alors, comment je fais? Et ben, en fait, je me guide. Alors quand je me guide, c'est-à-dire c'est moi qui me guide. Bah oui, parce que l'avantage en fait enfin, que j'ai, c'est que j'ai mes propres exercices. Tu vois, là j'ai mon petit CD, volume 1 d'exercices. Donc qu'est-ce que je fais dans la voiture? Bon, c'est un peu spécial comme truc, toi, mais je m'écoute. Donc là c'est parti, je vais lancer ma petite séquence du jour. Votre paille est sur vous. Ah. Vous pouvez à la place faire ces petites trilles. Ah bah oui. Toi, ça tombe bien, Donc comme au je suis en départ, voiture, j'ai pas ma paille. c'est comme si on en avait marre de quelque chose. Oui, c'est bon. Comme si on soufflait comme ça. C'est quelque chose de très détendu, donc ne cherchez pas à pincer les lèvres. Voilà, ça ne sert à rien, c'est vraiment une Non, ça détente. sert à rien Si ça. jamais vos joues se gonflent, Ouais. ça arrive des fois, vous pouvez tenir à ce moment-là sur le côté. Voilà, pour éviter que ça, les joues se gonflent. On va rajouter nous du son là-dedans. Et on va faire ça bien sûr On le fait, avec hein, on le fait quelques notes. ensemble, hein, Donc les l'exercice. notes, ça va faire ça. Tout Un petit simplement. arpège Et de le ça nous matin. fera, si je tiens là, regardez. Et on cherchera vraiment à être le plus détendu possible. Surtout si vous Détendu. sentez que vous allez Ouais. vers un. Ouais. Si là vous allez Ça, on n'en veut trop pas. loin, repartez vraiment du Petit. minimum d'énergie. Donc je vais plaquer, d'accord? C'est mieux. Allez, on y va. Moi, je trouve ça cool le matin. Le mec t'encourage en plus, tu vois.
encore? Ouais. Bon, ça marche. Alors, tu vois, j'ai mon petit CD d'exercice, quoi. C'est aussi simple que cela. Alors bon, c'est un CD, c'est aussi en numérique, hein. Si j'avais un autoradio plus moderne, je pourrais mettre ça sur une clé USB. Mais déjà, rien que là, tu vois, ce petit exercice de flux d'air, là, je sens que ma voix, elle est déjà plus équilibrée. Ça, c'est cool. Alors, j'en ai encore, je vais m'en faire comme ça encore un ou deux. Et puis, voilà, ça sera parti pour la journée. Tu vois, c'est tout simple, c'est tout simple. Tu peux faire ça dans ta voiture, tranquille. Si tu as des gamins, fais-les avec les enfants. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis, juste, tu gardes les yeux sur ta route. Hein. Alors, ce CD d'exercice, en fait, tu peux en recevoir aussi si tu en as besoin pour bosser. Je t'en parlerai au mois d'août. Je t'en parlerai prochainement. Le plus simple, c'est de rejoindre mon carnet d'adresses comme ça quand je t'envoie les infos là-dessus. Parce que ça, des CD comme ça, je peux t'en envoyer un tous les mois avec des nouveaux exercices. Tous les mois, tu peux recevoir ça chez toi. Pour ça, il suffit, clique quelque part, c'est marqué « Rejoindre le carnet d'adresses ». À la fin, là, tu as un écran, tu peux cliquer et… Et voilà, c'est tout simple. Tu me laisses tes coordonnées pour que je te puisse t'envoyer les infos là-dessus. En attendant, sinon, refais cette vidéo. Là, on a fait l'exercice ensemble. Il n'y a rien de plus simple et tu as déjà de quoi faire pour le matin pour démarrer ta journée. Écoute, moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao.